Ciao, ciao. Alors que nous continuons de nous dire au revoir et que le groupe de neuf se réduit jour après jour, nous profitons du temps qu'il nous reste pour continuer de profiter de cet environnement aussi dépaysant que reposant. Nous découvrons de nouvelles plages et continuons chacun à mener nos activités préférées. Surf pour beaucoup, marche pour certains ou seulement chill sur le sable. Chacun y trouve son compte et c'est un plaisir de partager tous ces moments tous ensemble. Bon, aujourd'hui tout le monde va faire du surf, mais moi j'avoue qu'après quelques jours ça commence un peu à aller le surf. Du coup j'ai loué un masque et un tuba. On va voir si on peut trouver des poissons un petit peu dans cette magnifique plage. Bon, avant de me jeter à l'eau, je mets quand même une combinaison. Même si on est au Portugal, on est quand même presque mi-novembre. Bon, là on n'entend rien du tout, mais je dis que c'était pas si ouf. Effectivement, les conditions étaient vraiment pas top et je pense qu'il y a de bien meilleurs endroits pour faire du snorkeling au Portugal qu'à Arifana. Heureusement, il y a toujours d'autres personnes prêtes à bouger et faire des choses, alors quand il fait moins chaud, on peut juste aller se balader le long de la côte et profiter de ces magnifiques paysages.
Je suis en train de me rendre au château d'Algezur, c'est à peu près à 7-8 km de l'hostel où je suis à Rifana. Et petite anecdote marrante, ce château, c'est l'un des 7 châteaux qu'on peut retrouver sur le drapeau portugais. Puis vous avez 7 petits châteaux, et bien le château d'Algezur, s'il en fait partie. Bon, en vrai, sur le drapeau, c'est tous les mêmes, mais bon. Pour la première fois, je visite les environs du côté terre plutôt que du côté mer. La ville d'Algezur en tant que telle n'a pas un immense intérêt, mais les environs sont vraiment magnifiques. Entre collines et vallées, plaines et forêts, il est possible de marcher pendant des heures le long des sentiers de randonnée. L'occasion de prendre du temps un peu pour moi, dans un moment où je suis en permanence avec les autres. À ce moment-là, je vois également arriver le dernier jour de mon voyage à Rifana, et c'est bientôt à mon tour de partir. Demain, un bus m'attend pour Lisbonne où je vais seulement rester une seule nuit. La ville est désormais en confinement et sous couvre-feu, alors je ne vais qu'y passer pour prendre mon avion vers de nouvelles aventures, plus loin que je n'ai jamais été auparavant. Ces 6 semaines au Portugal ont été riches. Bien plus que je n'aurais pu l'imaginer pour un pays d'Europe plutôt semblable à la France, mais à la culture unique et chaleureuse. Je pense à ce qui m'attend ces prochains jours et, bien que je sois un petit peu nerveux, il me tarde vraiment de partir et de vous partager tout ça.